السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي قناة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع معا سلسلة دروس تعليم الطاقة الشمسية. في هذا الدرس سنرى تأثير درجة الحرارة وقيمة الإشعاع الشمسي على خصائص الخلية أو اللوح الكهروضوئي. Alors dans cette leçon, on va comprendre l'influence de la variation des deux paramètres importants qui sont l'éclairement ou les radiations solaires et la température sur les caractéristiques des modules photovoltaïques. Tout d'abord, pour bien comprendre cette influence, on doit connaître les paramètres importants qui sont les radiations et la température. Et aussi, on va voir l'importance du facteur de coefficient de température. Premièrement, rayonnement solaire, ou appelé aussi irradiation ou éclairement. C'est la puissance du rayonnement solaire par unité de surface dans le système international d'unités. Il est mesuré en watts par mètre carré. Il existe plusieurs types de radiation solaire. L'irradiation directe, provenant directement du soleil. Cette composante s'annule si le soleil est caché par des nuages ou par un obstacle. L'irradiation diffuse, correspondant au rayonnement reçu de la voûte céleste, au rayonnement direct. Cette énergie diffusée par l'atmosphère et nuages est dirigée vers la surface de la Terre. Elle peut atteindre 50% du rayonnement global reçu lorsque le soleil est bas sur l'horizon et 100% pour un ciel entièrement couvert. Et troisièmement, l'irradiation réfléchie, correspondant au rayonnement réfléchi par l'environnement extérieur, en particulier le sol, dont le coefficient de réflexion est appelé albédo. Donc le rayonnement global G est la somme des trois types de rayonnement, direct plus diffus plus réfléchi. Pour mesurer les radiations solaires, on utilise plusieurs instruments de mesure. Généralement pour les systèmes photovoltaïques, on utilise le pyranomètre. C'est un capteur qui convertit le rayonnement solaire global qu'il reçoit en un signal électrique qui peut être mesuré. Les pyranomètres mesurent une partie du spectre solaire. Généralement, ils mesurent les longueurs d'onde de 0,285 à 2,8 micromètres. Un autre instrument de mesure de rayonnement solaire qui peut être utilisé aussi pour les systèmes photovoltaïques est la cellule de référence. Le deuxième facteur qui influe sur les caractéristiques des modules photovoltaïques est la température, qui peut être classée dans les applications des systèmes photovoltaïques en trois types. La température de la cellule solaire TC, la température du module solaire TM et la température extérieure ou température ambiante TA. Une remarque importante, lors du fonctionnement du système photovoltaïque, on a toujours la température de la cellule est supérieure à la température du module et la température du module TM est supérieure à la température ambiante. La température du module PV a un effet direct sur sa capacité à produire de l'électricité. Cet impact est reflété par le coefficient de température. Elle est exprimée en pourcentage de diminution de la production pour chaque augmentation de 1 degré Celsius. Il y a trois types de coefficients de température, KI, KV et KP. Notre modèle de panneau solaire STP325S sert d'exemple de calcul. Les fabricants indiquent sur la fiche technique des panneaux photovoltaïques la puissance maximale du module sous condition STC et mentionne trois types de coefficients de température. Coefficient de température au point maximal de puissance PM KP, dans cet exemple, est égal à moins 0,37% par degré Celsius. Faut noter que ce coefficient est toujours négatif. Coefficient de température de tension en circuit ouvert VOC, ou appelé KV, qui égale à moins 0,34% par degré Celsius. La valeur de ce coefficient KV est aussi toujours négative.
Coefficient de température de courant de court-circuit, IAC. C'est le KI. Dans cet exemple, il vaut 0,06% par degré Celsius. Ce coefficient KI est supérieur ou égal à 0. L'influence de la température au-delà de 25 degrés Celsius est négative sur les caractéristiques du module photovoltaïque, notamment sur la tension en circuit ouvert VOC. On remarque que si la température augmente, la tension VOC diminue. Et l'irradiation a une influence majeure sur le courant de court-circuit IAC. Ce dernier augmente si l'irradiation est élevée. Aussi, la puissance sera augmentée. On va voir un exemple de calcul des pertes de puissance. Si la température du module augmente, on va voir comment calculer la différence de puissance du module par rapport aux conditions STC. Dans cet exemple, le module photovoltaïque a un coefficient de température de puissance égal à moins 0,37% par degré Celsius et sa puissance maximale PM égale 325 watts. La valeur des pertes en pourcentage est donnée par l'équation suivante. Perte est égale à coefficient de température KP fois la différence entre la température du module sous fonctionnement et température en STC qui est égale à 25 degrés Celsius. Si on suppose que la température du module est T égale 45 degrés Celsius, alors les pertes auront la valeur de moins 7,4%. Pour avoir la valeur de la puissance perdue en watts, on multiplie le pourcentage de perte qui est moins 7,4% fois la puissance maximale en STC, qui est égale à 325 watts. On aura la valeur moins 24,05 watts, qui présente la valeur exacte de la puissance perdue. Donc, on peut calculer la puissance maximale du module qui correspond à la température de 45 degrés. On aura donc la valeur finale de 300,95 watts. Pour résumer, chacune des valeurs courant, tension et puissance varie d'un certain pourcentage à chaque changement de température des cellules. La température du module photovoltaïque qui a été pris comme exemple dans cette figure peut atteindre 75 degrés Celsius. À cette valeur, la puissance maximale est de 79,5% de la puissance en STC. La tension VOC est de 84% de la tension en STC. Et le courant IAC est de 102,5% du courant donné par le constructeur en condition STC. Cette figure présente l'influence simultanée de la température des modules photovoltaïques et de l'irradiation sur la puissance maximale du module. L'irradiation est comprise entre 50 et 1000 watts par mètre carré et les quatre courbes correspondent aux valeurs de température moins 25, 25, 50 et 75 degrés Celsius. La courbe orange correspond à la température en STC de 25 degrés Celsius et le point orange correspond à la valeur d'irradiation en STC qui est 1000 watts par mètre carré. Pour voir l'influence de la température, on va prendre une valeur fixe de l'irradiation de 800 watts par mètre carré. Pour cette valeur d'irradiation, on voit que à une température de 25 degrés, la puissance relative à la puissance nominale est de 80%. Et si la température augmente à 75 degrés, la puissance relative diminue en 60%. Ceci montre l'influence de la variation de la température du module pour une valeur d'irradiation fixe. Voilà, c'était la fin de cette leçon sur l'influence de l'irradiation et de la température sur le module photovoltaïque. Merci, à la prochaine vidéo.
كان هذا درس اليوم متابعينا الكرام حول تأثير الإشعاع الشمسي والحرارة على اللوح الكهروضوئي. شكرا، إلى الدرس القادم بإذن الله.